bien, hein. En chemin, donc toi tu l'écoutes, j'ai croisé quelqu'un, enfin, tu lui donnes le truc, toi tu regardes, il faut signer, tu vois. Le boubou, et après tu vas. Le boubou, et après qu'est-ce que tu as. Tu montes. Et après je monte, je descends. Voilà. Tu descends, voilà, ok, d'accord. Okay. Et tu t'arrêtes là ? Donc ça arrête là, ouais. Donc essaye de le faire là, tu lui donnes le truc avant d'ouvrir, tu vois. Tu lui donnes, éventuellement tu dis signe là, hein, s'il faut. Ouais, sinon je te le donne. Vas-y, faites-le. Normalement c'est signé, c'est quand il prend le colis. Hein ? Quand tu réceptionnes le colis. Ouais, peut-être, ouais, t'as raison. Non, garde-le, garde-le. Je le garde, en fait. Ouais, garde-le. Action ! Elle était perdue comme moi. Elle cherchait un restaurant. Le bon goût, si je me souviens bien. C'est bon, c'est bon. Dites. Ah, bizarre votre truc. On dirait une sculpture. Bon, plus léger. Je me demande bien ce que ça peut être. On vous le demande. Avec qu'à dire. Vous savez pas. Excusez-moi. Ma première journée dans le boulot et vous êtes mon premier client. J'ai été trop curieux. Ah, il n'y a pas de problème. Coupé, ouais, c'est bien, c'est super. Vous regardez pas, hein. Il devrait le regarder. Ah non, non, je me demande après, bien ce que ça peut. Non, on va faire des serrés après. Là, c'était bien. Non, c'est bien. C'est super, bon, c'est superbe. C'est bien, tu l'as dit, tenez ça ou signer. Non, c'est super. Ouais, ok. On va s'en refaire une un peu plus serrée. Vas-y, restez là. On t'en refait une un peu plus. T'avais la perche, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, vas-y, mets-toi là, on va s'en refaire eux. Non, ils sont, dans le, ils sont là-bas. Allez, chapeau. Ah, il a lui. Magnifique. Peut-être que t'as bien marché, mais là, t'es un peu fatigué, peut-être, avec le claqué. Ok, ça c'est bon. Après, on va faire. On se fera un plan dans la, tu sais, quand il ouvre de la bagnole. C'est bon? Ouais, de là, tu peux me faire pas. Donc voilà, je vais faire. Et on se fera un plan, un point de vue de toi quand tu arrives à la maison. On n'est pas raccord, sinon c'est pas grave. Ça me fera. C'est comme ça, c'est ça à peu près. Ouais. Ok. Non mais là, vous faites comme ça, celui va ouvrir. Prends la porte bleue, c'est connu. Voilà. Essaye de faire plutôt ça. Hein. Sur une... Ok, tu suis. Ok. Là, c'est super serré. Tu prends bien le son. Refaites le mouvement si vous voulez. Enfin, je sais pas si ça va vous aider. Ouais. Et toi, tu viens percher quand ils arrivent. Ok. Je dis quoi, moi? Ben, tu avais pas causé là. Vous refaites le truc si vous voulez. Vous arrivez comme vous avez fait tout à l'heure si vous avez besoin des mouvements. Okay. Bah, disons que dans la phrase. Bah, vous pouvez revenir de là et vous t'arrives et si t'as besoin de te mettre en branle comme tout à l'heure, vous arrivez de là, comme tu veux, ou tu te le fais de là. Ouais, mais là je sais même plus sur quel truc j'étais en train de dire. Bah, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va le refaire depuis là-bas. Ouais, voilà. C'est mieux, je crois. Ouais, c'est mieux comme ça, on sera dans le même groupe. Et Patrick, il va falloir que tu enlèves ton pull. Tu viendras percher, tu viens percher dès qu'ils arrivent. Derrière... Non, mais là tu perches pas, là tu t'en tapes. C'était bon avant. C'est juste pour lui qu'il soit dans le truc, quoi. Ok, vous y êtes les gars? Oui, c'est un bizarre votre truc. On dirait une sculpture. Mais en plus, j'ai. Je me demande bien ce que ça peut être. On me demande. Mais Gaga, vous ne savez pas? Excusez-moi. C'est ma première journée dans le boulot et. Vous êtes mon premier client. Mais c'est bon, ils sont pas dans le. C'est super, c'est ok, c'est magnifique. Ok, alors du coup, là c'est super, vous avez pas peur de votre aplomb. Je peux pas être un mouton, c'est vraiment super.
Ok, alors on va faire un plan salé, le son, ça c'était bien. Faut pas. Là, il y a le chevreuil. On peut ouvrir là-bas Ah non, on va pas ouvrir pour la lumière. On va juste faire le côté visuel et après on... Tu peux passer par là? Ouais, je vais passer par là-bas. On va mettre la caméra là. Par contre, tu vas prendre le son quand même quand il ouvre. Tout, c'est bon. De l'intérieur. Ça va peut-être attirer le fil un petit. On va voir si. Ouais. Non, non, ça c'est pas grave. Venez là, en fait tu vas le cadrer là, lui. On ferme pas la porte. On mettra la caméra là pour un contre-champ de. Ça n'a pas. Non, mais viens ici, mets-toi là. Voilà. Cet effet de lumière qui enferme les portes arrière aussi. Ouais, bien sûr. Et ouais, à ce moment-là, tu perches là. Ouais. On reste pas alors. On va le caler. Ouais. Je dis juste le restaurant Le Bon Goût. Le Bon Goût. C'est bon, tu vois comme ça. T'as plus un effet comique là, mais bon. Je vais voir si je peux rentrer. Vire-le parce que c'est assis d'après. Tu restes comme ça et tu suis bien l'action, tu suis bien lui. Okay, c'est un regard. Allez, c'est parti. Super, super. Ah, super, vraiment. On y croit. Super. Super. Je sais plus. Ouais, je te fais confiance. Et ouais, faut chercher le truc. On y est. Essayez d'avoir toujours la même position. Hein. Vous y êtes, les gars? Vas-y, Laurent, moteur. Ok, attendez, recule un petit peu, laisse tourner, allez, action. Le restaurant Le Boubou, si je me souviens bien. Tenez. Dites, c'est alors bizarre votre truc. On dirait une sculpture. Et en plus léger. Je me demande bien ce que ça peut être. On le demande, je vais bien, je ne savais pas. Moi, ma première journée dans le boulot, vous êtes mon premier client. J'étais trop curieux. Non, c'est pas grave. Coupé, magnifique. C'est bon, super. Laurent, c'était bon la perche au T'as pas la perche? Ah non, tu l'as pas. Ok, reste là, Patrick. Attends, je n'ai pas de retour de son. Tu regardes s'il n'est pas débranché au niveau de la caméra. Runs. Le petit Jack, il est débranché ou pas? Ouais. C'est du film là, mais c'est du cinéma, tu vois. On va pas de son. Cinéma direct. Si, mais moi j'entends derrière, si tu veux. On y croit déjà un peu plus. Non? Ça va, vous êtes content. Stéphane Lynch, voilà. Stéphane Lynch. C'est super, hein. Le son allait bien ? Ouais, nickel. Là, c'est quand même pas fini devant, là. La femme chevreuil. N'oubliez pas. Ça fait Noël. Noël. Bonne journée, bon tournage. Hein. Merci. Merci madame. Ne me filmez pas. Hein. Ah non, vous me connaissez. Non. Scott parle à la caméra première. Voilà. Il y a Iron, il y a mon premier assistant ici. Nous sommes à la route des prés, nous sommes à Prouille dans l'Hérault. Nous sommes le 4 octobre 2006 et
nous amenons le travelling. Aujourd'hui, nous avons Pamela Nika qui est là, qui est vraiment la star. Vraiment, ah ouais, c'est elle le truc. Donc elle est chanteuse, guitariste, compositrice, elle est voilà, merveilleuse. Non, mais monte, tu veux, non, ça va être la galère, monte à côté d'elle. Monte à côté d'elle, ça va être la galère. Je ferme. Alors nous partons là sur une scène de croisement en fait entre un camion rouge et la Twingo Collector de Madame Kowalski. Le méga plan téléfilm, non, non. La prise était tellement extraordinaire qu'on n'en garde qu'une, voilà, donc voilà, super. Parfait. La carte de Cornu. Faut que tu la sortes. Sur la ligne, je peux la prendre. Ouais, faudrait qu'elle soit vraiment visible. Mais là. Bah, tu vois, tu sais. Ouais, non. Mais là. Enfin, plie là sur le. Ouais,
ouais, depuis hier, non. Bah là c'est raté là. Après on peut installer le travelling peut-être. Est-ce que tu as installé le travelling? Laurent, ce qu'on fait, je te laisse faire. Tu sais le truc, je te laisse faire. Vous prenez le son et on va voir pour le travelling. Hein. Tu sais ce qu'il faut faire. Vous partez de là. Vraiment, là, bien sûr. Bien là, je vais sortir le truc. On va installer le travelling. Non mais on y va. Le patron c'est lui, c'est le premier assistant. Avant qu'elle te croise, tu mets son visage là, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Nous avons avec nous aujourd'hui Julien, la guest, qui vient de Clichy-sous-Bois. Non, la Garenne. Oh. Ah oui, non, Clichy-sous-Bois, la Garenne. Nous avons, bon, lui, c'est pas la peine de le filmer. Patrick, Elodie. La copine de Bram. La copine de Bram. Ouais, tu veux que je la rose un peu. T'as entendu le bruit? T'es sourd comme un fou, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est... Moi, dans mon pays, on fait ça avec de la vodka. Il y a une caravelle du 14e siècle. Et moi, avec du super, qu'on s'en met le feu après. Tu veux me poser le pardon? Ah, c'est déjà dit, ça dure, regarde. C'est la Bible, le dénivelé, on va voir. C'est la Bible. On va garder le dénivelé. Oh, parce qu'il y a un brin qui est meilleur que les autres. Hein. Ouais. Il y a un progrès depuis la dernière fois, il y avait des boulons, maintenant on serre la main sans boulons. Tiens, je te laisse faire. À chaque fois. Je vais donner d'abord le Patrick et je vous dirai d'y aller après. C'est bon ? Ça a l'air pas mal. Ok, allez, vas-y, bouge pour voir, descendez. Tu vois le truc là, il... Ouais, c'est magnifique. Vas-y, vas-y. Et puis là, logiquement, elle arrive par là. Voilà. Le mouvement est superbe. Elle arrive par là, il faudra pas que ça bouge, c'est parfait. Et là, on les récupère là. Laurent, il faudrait que tu recadreras un peu. Enfin, tu vois qu'on est tu suis un peu les deux véhicules, tu vois, ouais. Tu vois le truc, faudrait que tu lèves un peu. Quoi. Pardon, ouais. on le gère. On fait ça. Le gère de là. Non, c'est là où à l'avant. Dès qu'on le voit, on attaque. Ouais.
Bon, tant pis, je donnerai peut-être quelques indications, Fred. Il y aura ma voix. Oui, de toute façon, c'est un seul témoin. Là. Okay, c'est, pas... ouais. C'est bon, vous l'avez bien calé, le truc, le son. Okay. Je vous dirai. Ah, ok, tout le monde. Alors, vous êtes prêts, les gars? Moteur. Attends, je te dirai d'y aller, Patrick. Hein. Ok, action Patrick. Dès qu'on le voit, vous descendez doucement parce qu'on va peut-être louper le départ. Désolé, c'était pas bon, c'est pas grave, il va falloir reculer. C'est pas bon. Non mais là où il s'est croisé, le raccord on s'en tape, ça c'est pas grave. Le truc c'est qu'il fallait au moins que tu sois, voilà, c'est ça. De toute façon on va faire un peu plus serré. Là on fait large. On fait large, ouais. Le plus large possible, Laurent, le plus large possible. Parce que voilà, le plafond. Ah oui, un trap. Oui, un trap, bien sûr. Regarde, c'est superbe, silence, c'est super beau. Tu recadres, tu fais bien gaffe de recadrer lentement. On y va sur... Attends. Ça tourne ? Silence, allez-y. On va se faire juste un petit bout. Sinon, allez-y. Allez-y, doucement. D'accord. Vous laisse faire. Laurent, mais c'est le patron, Laurent. Non, faut pas, recadre pas. Laisse-le comme ça. Si tu vois, laisse les fesses assises. Enfin bon, vas-y. T'as serré la focale là. Ouais. Ok, alors les gars, on va y aller. Attendez. Dis-leur qu'ils avancent. Dis-leur qu'ils avancent, s'il te plaît, à ton niveau. Hein, là, c'est nickel, synchro. Ok, je sais pas quelle heure il est. Ok, parfait. On va arrêter pour là, c'est bon. On va se faire un plan de. Il est midi moins 10. Eh bien, c'est parfait, on va aller chercher la bouffe. Donc, attends, réfléchissons un peu, réfléchissons bien. On va aller chercher la bouffe. Les comédiens, ils s'en vont. Attends, parce qu'on peut peut-être faire... à ce moment-là, on peut peut-être tourner, se faire le village, là. Il faut tourner le chariot. Tant qu'il est là. On fait du travelling, là, encore ? Ouais. Ouais, non, et on va plier parce qu'on refera le. Il faudra le camion, on le refera ce soir. Le clocher, vous essayez d'avancer. D'accord. Tu vois ce que je dis ? Un grand large ? Non, plutôt. Enfin, qu'on voit. Tu vois, qu'on voit. Entre les poubelles, le clocher, et... voilà. Ah, ouais, oui. Pas les poubelles. Même. Enfin, tu vois qu'on voit. Sont pas belles, vous dire, entre les poubelles. Ouais, non, on les prend pas les poubelles. D'accord. 17 octobre d'après-midi, devant un signe divinatoire exceptionnel, nous avons 4 et 9, 8. Tu fais la mise au point. 490, c'est le réservoir qui tient dans le feu. Alors, 4 et 9, 13.
13 et 8, 21. Donc c'est la lame majeure du monde, donc c'est un très bon brisage pour ce film. Et donc voilà, je crois que nous pouvons attaquer. Merci beaucoup. Et donc voilà, pour l'instant le reste du groupe fait plutôt la sécurité. Un radar, on aura le son après, hein, Fred. Ouais, ça marche. Trop galère. Mais prenez-le quand même avec le micro quand même. Ouais, coup, quoi, quand on dit couper, vous les faites venir. Mais quand on dit action, très fort, là vous leur demandez de s'arrêter, de couper le moteur. D'accord. Et si, très gentiment, quoi. Si refuses d'entendre, si refuses, tu les traites. Et tu leur mets une amende. Non, mais je l'ai appelé trois fois sur le talkie. Il te répondait pas ? Ah, peut-être qu'il fait que t'écouter en fait. Il arrive à quelque chose, moi. Alors oui, pardon, nous avons donc nous avons une châtaigne sauvage qui ne pas confondre avec la châtaigne d'élevage en fait, qui a été mordue par un hérisson sauvage. Ouais. Tu vois là les. Hein, voilà. Et donc c'est Thierry qui vient d'apprendre que en fait, il fallait. Il fallait pratiquer la châtaigne, le châtaignon. Bien. Le châtaignon local. Ouais, c'est vrai. Là, c'est plutôt le côté ouais, mais d'ailleurs, c'est bon, je vais rappeler. Comment ? Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, ça, on va le faire après en détail. Mais au moins, j'ai une attitude générale. Non, il n'y a pas de mal à demander. Là, on va cadrer, on va cadrer elle, c'est mieux. Tu peux descendre la vitre. Tu peux te mettre là, s'il te plaît. On sort encore le travis. Non, pas encore. Après, on va, je sais pas. On va peut-être faire un travis d'en haut. Regarde, peut-être d'en haut. On va voir. J'ai si répondu c'est, parce que je t'ai pas. Ouais. Mais bon, non, je te dis, j'ai répondu parce que j'ai permis de répondre. D'accord. À mon téléphone. À mon téléphone à moi. Ah oui, d'accord. J'ai suivi les voix. En bas du champ, là-bas. Non, mais. C'est pas, je leur demande. Les acteurs. Donc là, il me propose un devis. Ouais, et bah écoute, c'est parfait. Tu l'as fait. Et nous, attends, regarde, on va prendre sur son visage. Moi aussi je suis perdu parce que moi je te dis que je suis perdu. Moi je cherche une maison, toi tu cherches un restaurant. En conclusion, on repart aussi. Ouais, dans l'idée, je sais pas. Ça peut être sympa de. Mais regarde si c'est jouable. Parce que tu sais qu'on a un plan. Tiens, on a toujours pas changé de cassette. Non. Là, il y a les deux qui parlent. Ouais, là, c'est Kane. Hein. Priorité c'est à Kane. D'accord. Dans la voiture, c'est pas grave, parce que on vira quand tu démarres la voiture. Tu démarres et tu recules. Et toi, Laurent, tu la suis après, à la fin. Tu suis toujours son visage à la fin. Okay. Et moi, je démarre pas. Et toi, non, toi, tu redémarres pas. Donc après, une fois que je mais tu vas, tu vas partir du camion. Hein, Hein, okay. Mais à la fin de la... On s'y va, ça dit rien. Bah, axe, on fera son L, hein, après, on le fera lui après. Ok, moi c'est bon. Priorité à ça, j'ai pas un petit bout de patate. Ok. Là, c'est pour le ralenti après, tu vois. Qu'est-ce que ça va ? Je suis bien là ou quoi ? Par contre, pour le monter là-haut, on va. Ah ouais, tu t'as pas de. Non. J'ai une corde, tu peux. T'as pas une.
essaye de pas trop shooter là. C'est bien, c'est bien. Le sang. Ça va, ça va. Ça fait un rang. Ouais, ouais. Ok. Hein? On peut t'en faire une. Là, c'est bien. Ah, mais c'est pas bon, t'as fait. Non, I'm Willem Wallace. T'arrêtes si c'est quelque chose. Merci. Au milieu de la route, ouais, là, voilà. Et tu la suis bien après. Voilà. Après, il a changé. Après, elle devient un coup. Action! Son point de vue à lui, alors lui il faut qu'on fasse deux prises parce que des fois il est là avant l'un, tu peux arrêter. Laurent, tu vois le truc, il faut, faut être super bas là. Là il faut que c'est lui quoi, c'est le point de champ. Il faut qu'on soit là quoi, en fait. En fait là, voilà, la caméra là, sinon on l'a pas. Et après on s'en fera une comme ça parce qu'on le perd des fois quand c'est d'ici aussi là, de devant le cadre. Alors attends, je sais ce qu'on va faire, tu vois. C'est pas mal, hein. Voilà, attends. Ok, ouais, parfait. Au tout début, je fais comme ça, excusez-moi. Ok, ouais, c'est parfait. Nickel. Et là, essaye d'être le plus longtemps. Enfin, comme tu fais, voilà, là, t'es nickel. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il nous propose? On va faire un peu le diable. Voilà, ok, on a les deux, c'est nickel. Ok, on est prêt. Tu prends lui, t'as vu? Là, prends-le bien comme il faut. Action! C'est pas grave, continue. C'est pas grave, on continue. Reprends ta phrase, ta dernière réplique.
J'aime bien le petit merci. Ah, c'est le livreur de base. On s'en fait une là, parce que là tu pourras lever comme t'as fait. On s'en fait une comme ça. Fallait pas que je lève. Viens ici. Voilà. C'est l'idée, c'est qu'on met un bout de cane là et puis comme ça. Hein. Et après ça ira. Il n'y a pas eu de merde au niveau du son. Non, non, c'est nickel. Ouais, je sais. Ouais. C'est comme ça, super bon. Il y a le point. Ça y est, s'il y a le point. T'as la perche dans le barbier. Ouais, ok. Tu la vois? Attends, je suis en plein serré, je fais le point. Ouais, voilà. Hop, tu... Ah, c'est chouette avec l'arbre, c'est super. Ouais. Comme ça, non? Ouais. Par contre, lève. Enfin, voilà. Ah, c'est super, c'est magnifique. Ok, on va tourner. C'est beau. Teur. Action! Excusez-moi, mademoiselle, mais je suis perdu. Je cherche la maison de monsieur Trek Mowgli. Vous savez si je suis dans la bonne direction? Je suis perdu comme vous. Je chercherai sans le bon bout, ça vous dit quelque chose? Non, non, ça ne me dit rien. Je suis nouveau dans le boulot et c'est ma première livraison. Je ne connais pas du tout le coin. Bon sang. Même avec une carte, j'ai du mal à me repérer au milieu de tous ces arbres séchants. Moi non plus, j'ai jamais été trop fort pour l'orientation en campagne. Je crois que nous sommes perdus. Je vais essayer par là. Si je ne livre pas mon client ce soir, je risque de perdre ma place. D'accord. Je vais reculer. Ok. Bonne chance. Merci. Coupé, coupé. C'est magnifique, on va juste faire un truc. Là tu fais. Ils vont le faire quand même. Tu vois, voilà, tu vois, tu fais ça, tu vois, tu vas vers son visage. Tu vois, tu peux faire du flou. Là on est dans la bizarrerie. Ok. Je peux me mettre au-dessus là? Ouais, mais toi. Ben, là. Non. Non. Voilà. Là. Non. Attends. Là, c'est bon. Là, par là, hein. Ok. Ouais. Tu sais, tu fais ça. S'il faut, tu fais des flous à des moments. Enfin, tu vois, tu vois, c'est-à-dire, tu fais du beau, ouais, comme tu sais faire. Sur le net d'abord. Tu veux reculer peut-être un peu? La carte. Et on s'est fait le passage de la carte là-bas. Ouais, j'ai eu l'antenne là. J'ai eu l'antenne à un moment, j'étais dans le flou. Ouais, c'est pas grave. J'ai descendu, j'ai eu l'antenne. Mais voir comment tu lui passes la carte là. Ouais. Okay. Ouais. Si on peut virer, mets-toi 10% là, qui est à ta droite. C'est la batterie. Si on peut virer le camion, c'est mieux. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Je vire le camion. Non, c'est nous qui le virons. Voilà, on fait ça. Voilà. Montre-lui montre-lui. La carte? Ouais, mais comme ça. Ouais, mais je suis un peu plus. Ouais, mais c'est pas grave. Il est pas 4x4 ton camion. Comme ça. Faut pas monter la merde. Voilà. Bordel. Ouais. Pas sérieux. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Ouais, peut-être faut d'approcher un peu plus la carte. Ouais. Comme ça? Ouais. Je vais rentrer un peu plus. Et on les serre un peu, comme ça. Ok. Allez, on va tourner ça. La carte, ok. On y va, vous y êtes prêts? Je vous ferme la vitre, ok? Ouais, parce que c'était joli. Ouais, la carte, tu la mets presque sur le volant comme boucle d'arme. Ouais, ok, d'accord. T'arrive de là-bas, vous y êtes. Ok. Attends, faut pas qu'on nous voit dans les reflets. Moteur. Laurent, t'as mis le fait du noir. Je sais pas encore. Ça tourne. Action! Mademoiselle, je suis perdu. Je cherche la maison de monsieur Trek Mowgli. Vous savez si je suis dans la bonne direction? Je suis perdu comme vous. Moi je cherche la maison. Je suis perdu comme vous. Je cherche le restaurant de vous. Ça vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. Je suis nouveau dans le boulot et c'est ma première livraison.
Je ne connais pas le coin. Bon sang. Même avec une carte, je n'arrive pas à me repérer au milieu de tous ces arbres séchés. Moi non plus, j'ai jamais fait très fort son orientation en campagne. Ben, je crois que nous sommes perdus. Je vais essayer par là. Si je ne livre pas mon client ce soir, je risque de perdre ma place. D'accord. Je vais reculer. Bonne chance. Ok. Merci. Cut, cut, c'est bon. Parfait. Alors, il y a un truc qui pourrait être sublime, c'est que ouais, tout à l'heure vous étiez. Celle-là, t'étais moins bonne que les autres, mais c'est pas grave, parce que c'est le côté visuel, c'est pas grave. Non, mais les autres, tu les as fait bonnes, ça va. Ouais. Ce qui serait bien, c'est. Comment t'as fait tout à l'heure? Il était assez près. Comment t'es revenu avec la carte? Comment t'as fait? Quand je suis revenu, ouais. Je fais comme ça. Et t'as pillé la carte? Ouais, j'ai à peine plié la carte et j'ai ouvert, je suis remonté. Ouais, ok, bon, c'est bon. Bon, on va faire le passage de la carte et c'est. Je charge la cassette. Ouais. Et la batte, non, aussi. La batterie, non. La batterie, elle est à 10%. Ouais, on garde-la pour l'instant. Ah ouais, là. On va faire le passage de la carte. C'est sûr que je ne veux pas qu'on en refasse, ça. Non, ça va. Non, mais là oui, là, c'était moins bon. Ouais. Mais si tu veux, le son, non, à la limite, c'est pour que vous ayez les mêmes lignes. Le TC à. Là, je crois que c'est bon. Le TC à 0. Et t'as deux positions. Enfin, ouais. T'en fais voir parce que ça. Une position vachement étroite, un peu comme un canon normal. Et après, une. Le sac à dos et un Twingo. Un Twingo, je pense. Tu l'as pris dans le sac à dos? Dans mon sac à dos, ouais, dans mon sac à dos. Attends, je vais débrancher ça. T'es sportif. D'une scène à l'autre, bizarre. On peut remarquer la sportivité du réalisateur. C'est beau, hein, ça fera des ouais, trucs. C'est beau. Je me permets, ouais. J'ai cru comprendre un truc vite fait. Vas-y, question ouais, de, je suis droit de questions par ouais, jour. Ouais, ouais. Les flous, tout ça, c'est qu'il y a l'esprit qui vient de la personne qui ouais, est. C'est ça. Si j'ai compris, je comprends. C'est ça. Je suis content, je comprends. Non, si tu fais comme ça, c'est pas crédible le départ, hein, parce que on sent que c'est un jeu dessus. Ne regarde pas la caméra. Ne regarde pas la caméra, ouais, c'est ça. Vas-y, je te passe ça. Ouais. Allez, passe-moi la caméra. Allez, vas-y. Allez, c'est à vous, j'allais. Ah putain, vas-y, mais dépêche-toi, allez, sinon ça monte le côté mou. Ici, il est bon qu'à faire des sons. Vite. Allez, bougez, arrêtez, c'est peignant. Oh putain, t'as vu cette prise de. Oh, la corde est. On voit un peu ton arrière-train, mais c'est pas grave. Hein. Code production, les codes de l'extrême. Traveling Extreme by Patrick Scott. T'as besoin de ça là? Décale peut-être Le chariot. Tu l'as? Est-ce que tu pourrais enlever la colonne s'il te plaît? Non, pardon, enlève la colonne. Bouge pas le cul. Putain, il a mis sur les roues. Fais semblant de tomber, tu sais, un peu. Il y a du vent, retiens-toi. Fin, oui. Je vais redescendre avec le travelling, moi, si ça ne me dérange pas la fin. Pour rappel. Si tu viens te jeter dessous moi, là, on pourrait penser qu'il y a 3000 mètres dessous. Non, tu peux pas. Tu peux pas te mettre, non. Patrick. Vite. Cool. Quelle prise de risque. Rien faire en fait. Ah, t'as vu l'arracher quand même. Il a une force dans la main. Ouais, c'est la production. Scott, oh putain, il s'en mêle avec la jambe. Putain, là, ça fait amateur quand même. Ça fait amateur, ça fait. Un vidéo gag, après je tombe, on l'envoie vidéo, on gagne pas beaucoup, hein, 1000 euros je crois. Je te mets au problème.
one point. 2 points. Deux ans de jet de planche en fait. Il a commencé avec moi en 88 avec C'est tout petit. Donc David Lynch sur Once Upon a Time. Et ensuite il a été avec Fred sur. Surtout il a, voilà, il a un mouvement du poignet droit qui est très, très marqué. Là il va nous faire une vrille, je pense, arrière. Avant, non, vrille avant. Vrille avant avec blocage sur. Non, il faut filmer. Blocage sur la première. C'est la roulette russe, mais il a le droit à en faire qu'une fois par journée de tournage, parce que c'est trop dangereux. Il y aura là pour lesquels ou pas ? Passage difficile au 23e pas en général, c'est le mur du 23e pas. Après on respire, on termine en général assez bien. J'ai pas eu le temps de terminer parce que je voulais faire un truc plus rapidement. En fait, c'est vrai que, bon là ça va, on attend, on est toujours. Je crois que c'est bien. Super, voilà, impeccable. Voilà, nous allons caler. Mets les pieds, t'en mets les pieds dans la pente, parce que si tu dérailles, là tu meurs. Ouais. En plus, s'il y a un coup de chariot sur la pente et tu décèdes, je serai emmerdé si tu veux pour ta femme, tes parents. Hein. Ouais. Je ne crois pas qu'on leur a expliqué. Tu vois. Je me vois mal arriver avec une droiture noire, ça nous ferait. Notre fils est décédé. Code diffusion. Mais vous êtes qui, vous direz. On aura la télé aux 20h, un jeune assistant réalisateur, on te voit en gros, tu sais, décède tragiquement de. Allez. Ouais, ouh. Exactement. C'est vrai, c'est extrême. Pute, ça veut dire quoi? Ouais. Voilà. Ah là, ça passe, je crois. Et il craque même pas le truc. Ouais, c'est vrai. Ça mène le. Putain, ça me déconne, faut monter là pour faire un peu les choses. Ouais. Julien, j'espère que t'as Julien, c'est trop impressionnant comme garçon. La potence, s'il te plaît. La potence. Non, non, il craque pas. C'est normal, c'est normal, c'est un travelling de sous-bois. Sans déconner, c'est les mêmes ou pas? Non, mais peut-être que ça absorbe. C'est peut-être l'eau, peut-être la flotte. Ouais, carrément. Pardon, si je sens te commander. Après, si tu pourrais. Tu pourrais venir ici, et tu vois, tu le prends en train de rouler d'ici, puis on te tient, et puis tu l'as, tu. Dans un arbre. Le film dans le film, ouais, ouais. Ça c'est vraiment bien. Non, essaye de rester dans la bille. Pardon, on va si tu mets un truc sur les oreilles, on va venir. Ouais, je pense. Que... Non, il faut rien le refuser, tu vois. Hein, le premier film, hein, c'est d'accord, Fred. Il nous dit sur les arbres, je monte sur les arbres.
Et à partir du troisième, quand on commencera à être à Cannes et tout, tu vois qu'on aura chacun 4000 euros ouais, à payer. Les caprices que tu nous gardes. Les caprices qu'on. Voilà, exactement. Alors regarde, on va faire le truc. On va donc défendre ça. Ben le, c'est ça, le truc. Ouais. Donc, c'est ça. Et maintenant un numéro spécial, cascade. Hop, de m'assurer là, et, là, et la caméra est comme ça. Avec les abdos, tu tiens pas là? Bien sûr. Alors, je te fous une corde. Non, mais je sais pas, il faudrait. Ouais, il faudrait. Voilà, on va passer là-bas. Tu vois, voilà. Une corde, j'en ai qu'une là. Non, mais si tu en laisses ça, on le verra pas, tu t'accroches pas. De toute façon, on va prendre que son visage là. D'accord. Donc, faut tenir la caméra comme ça. C'est ce qui importe en fait. La corde, il y en a qu'une là. Dans la caisse. Non, on va rouler. Mais moi, si tu veux, je me mets derrière, je te tiens. Voilà. Non, voilà. Et comme tu veux, si tu pouvais faire qu'ils te tiennent. Non, enfin, faudrait me sangler, faudrait qu'elle. Ouais, parce que enfin, tu pourras aussi courir, mais. T'en as une sangle ? Mais j'ai la corde qui est prête à prendre là-bas. Tu vois, que je sois attaché, si je suis attaché, je risque rien. Et on va attacher la caméra. Ah oui, là, j'avais pas prévu le coup, là. Non, je plaisante, Mais tu roules à quelle vitesse ? On va rouler doucement, c'est pas. Il n'y a pas besoin qu'elle roule vite parce que son visage va être. Il y a un coup comme ça. Il n'y a pas une musique. Tu fais vachement la musique par contre. Non, mais j'ai un copain qui m'a fait du tambour. T'as pas vu dans la cassette des Moes Kawan, le travelling? Non. Il t'a pas montré si. Au début, c'est un copain qui est venu chez moi. J'ai dit sinon Thierry, ça va décevoir Thierry. C'est du vrai tambour live chez moi en fait. Tu vois, enregistré par moi. Mais c'est ça sans trucage. Ouais. On a une sangle américaine. On se tient au volant. Je peux prêter ma ceinture si vous voulez. Ah ouais, on se tient au volant, c'est vrai. On s'accroche au volant. Et on le verra pas, tu feras que le visage. C'est ouais, que le visage en gros. Ça, c'est un truc. Ouais, On va voir la vitesse avec elle. Peut-être tu pars comme ça toi. Non mais ouais on va. Ouais d'accord. Vas-y. Bon week-end hein. Allez, c'est... Il engage un peu là. Regarde la route Nika. Le prof d'auto-école, tu sais. Putain, le cascadeur est super. De ménage, c'est un film à budget. Ils vont se dire qu'est-ce qu'ils sont fous ces parisiens alors. Ils sont vraiment fous ces parisiens. C'est bon, c'est réussi alors. Ouais, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. C'est cool, hein. On fait le travelling de haut.
un peu bien assuré sur la deuxième. Ouais. Ouais, non mais après je suis pas cabot, hein. je veux dire, il n'y a pas, enfin effectivement je peux tomber, mais franchement, il n'y a pas vraiment de risque. Le système des centres d'écale comme ça. Au moins le chariot. Bah, vite, hein. Jette le chariot aussi, hein. Le charouin. Ah putain, mais balance tout. Excusez-moi, je crois que c'est des paillots. Il n'y a plus les filles. Hein. Alors voilà, je suis ma cœur. Fais gaffe.